Bonjour les frères et sœurs, comment? Est-ce que vous êtes bien réveillés aujourd'hui? J'espère que vous avez bien dormi hier. En tout cas, moi je viens de vous réveiller. Regardez comment ici ça paye, regardez comment ici ça paye. Regardez. Ça, ce n'est même rien. C'est ce qu'il y a à l'intérieur là qui compte. Si tu es sapé puis tu es méchant, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Ah. Tu vas bien te saper le matin. Tout le monde va te regarder, mais à l'intérieur, tu es un fouillis, tu es un vieux loup. Un loup ravisseur, un lion qui dévore comme le diable. Toi-même, tu as même dépassé le diable. Ça, c'est vraiment chaud. Si vous n'êtes pas abonné à mon voiture, la cloche. Ici, nous parlons de vraies choses. Comme là, maintenant. J'ai une question à vous poser. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'une personne qui a tué peut-elle aller au paradis? Est-ce qu'une personne qui a commis un crime comme tuer quelqu'un, est-ce que cette personne peut-elle aller au paradis? Ça, c'est la préoccupation de beaucoup de personnes dans ce monde. Les gens se disent que, oh, quand tu tues, tu as commis le plus grand péché, c'est pas possible que tu ailles au paradis, c'est pas possible, toi-même tu es fait pour l'enfer. C'est ce que beaucoup de personnes sont en train de dire. Mais vous, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Si vous étiez un juge, que feriez-vous? Peut-être que vous êtes juriste et que vous regardez la vidéo. Laissez un commentaire aussi. Votre réponse est attendue. Et moi, je vais essayer d'être le plus clair possible pour tous les abonnés. Écoutez-moi bien, les frères et sœurs. Écoutez-moi vraiment bien. De façon simple, de façon logique, dites-moi. Est-ce que un chef d'État peut-il recevoir un tueur comme une bonne personne, une grande personne, une personne honorable? Ça veut dire, est-ce que le président de la République peut-il un jour se permettre d'élever un assassin? Genre pour dire, oh, voici le gars. Non, ce gars, c'est un tueur! C'est un killer! Il mérite d'être honoré. Il mérite des choses. Il mérite qu'on lui donne des choses. Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible? Si, étant sur la terre déjà ici, c'est pas possible. C'est pas après la mort là-bas, ça va être possible. À une seule condition. C'est à une seule condition, hein. Ça pourrait être possible. Et la condition là, c'est ce qui s'est passé à la croix avec Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Quand Jésus-Christ s'est retrouvé parmi les bandits à la croix là-bas, là, cloué comme s'il avait même tué toute la planète, là. Quand s'est retrouvé là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux brigands qui étaient à côté de lui. Et les deux brigands, là, ils étaient en train de causer, donc ils étaient en train de parler de lui. Il y a le premier qui dit, oh, toi, tu dis que tu es un vrai chef, tu es un prophète, non? Pourquoi tu descends pas de la croix ici avec nous? Mais dans l'autre là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde toi-même, t'as dit quoi? Le gars là, il n'a rien fait. Il a rien fait, il est innocent. Alors que toi, tu sais que toi et moi, là, nous sommes des plus grands brigands de la planète. En tout cas, Seigneur Jésus-Christ, il faut 500 points. Là, tu t'en vas là. On voit là-bas avec toi. Voilà. Et Seigneur Jésus-Christ lui a dit quoi? Le Seigneur qui lui a dit qu'à l'instant même, là, tu pars avec moi. Tu pars, toi et moi, on part! Toi et moi, on part! On gamboulou! Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ah, toi là, tu es un brigand, tu as tué les jeunes, ou à cause de toi, les gens ont souffert? Non, toi, mais tu dois le parler à l'enfer même. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? Il ne l'a pas dit. Pourquoi? Il a été le vrai juge. Il était vraiment le vrai juge. C'est lui seul qui peut pardonner les péchés des gens. C'est pas ce qu'on nous dit dans la Bible. Est-ce que c'est même vrai? Qui sait? Mais apparemment, c'est vrai. Puisque l'histoire est restée depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça peut être vrai. Et puis, le seul qui n'a pas regardé à lui, comme je vous ai dit, il n'a pas regardé à ses défauts. En même temps, le Seigneur Christ a dit, écoute, viens, toi et moi, on va aller là-bas. Hein? Là où je dors, là, tu vas aller dormir à moi là-bas. Elle dit que le gars,
Si Jésus-Christ va au paradis, lui, il suit Jésus-Christ au paradis. Si Jésus-Christ va saluer Dieu, lui, il va suivre Jésus-Christ jusqu'à là-bas, parce qu'il va devenir, le gars va devenir automatiquement qui? Il va devenir l'invité préféré de Jésus-Christ. On va dire l'invité de Jésus-Christ. Vous avez vu, non? Ça veut dire que comme quoi, vraiment, si nous on voit le péché comme quelque chose d'extraordinaire, mais devant Dieu, ce n'est rien. Il peut nous pardonner juste en un clic comme ça. Quel que soit l'état de nos péchés, quel que soit ce qu'on a posé comme action ici. Tuer quelqu'un, c'est vraiment une chose mauvaise. Ne faites pas ça. Empoisonner quelqu'un, c'est la même chose. Tuer la femme de quelqu'un pour prendre son mari. Vraiment, vous les êtres humains, vous avez trop fait. Vous avez trop péché, vous péchez trop. Vous, arrêtez ça maintenant. Hein. Arrêtez-moi ça. Et normalement, quand tu fais de tels péchés, tu ne dois pas aller au paradis. Ça, c'est clair. Il faudrait qu'on soit net avec vous. Quand tu commets de tels péchés, même le paradis va te vomir comme un chat qui vomit. Le paradis va te vomir. L'enfant va dire, ok. Toi, tu es un bon gars. Viens chez nous en bonne bière. Mais, ça, c'est un grave péché. C'est vraiment un grave péché. Malgré tout ça, là, Dieu te donne encore l'opportunité de te repentir pendant que tu en vis. Uniquement que pendant que tu en vis, hein? Uniquement que pendant que toi tu en vis. Parce que si la mort t'a trouvé aussi, parce qu'un jour tu vas mourir. Si la mort t'a trouvé et que tu ne t'étais pas repenti comme sur toi. C'est-à-dire, vrai, la même repentance, vrai, là. Regrette. Si tu n'as pas regretté d'avoir tué les gens, si tu n'as pas regretté devant Dieu d'avoir tué les gens et que la mort veut te trouver dans ça, toi, ton chemin, c'est direct dans l'enfer. Là même, il n'y a même pas un ascenseur pour toi. Il n'y a plus d'ascenseur. L'ascenseur du paradis en panne. L'ascenseur du paradis, là, c'est en panne pour toi. Toi, ton ascenseur va directement en enfer là-bas. Mais, si je te parle et que tu me crois et que tu te procèdes devant Dieu aujourd'hui, là, maintenant même, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, oh, je crois ce que Yassou Bovi te dit, je crois que c'est vrai. Pardonne-moi mes péchés, je reconnais, j'ai fait du mal aux gens, j'ai tué. Pardonne-moi. C'est Jésus-Christ, il faut s'en pour. Pardonne-moi. Automatiquement, Dieu te pardonne. Pourquoi? Parce que tu as envie. Dieu s'intéresse aux vivants et non aux morts. Comme tu as envie et que tu as demandé à ce que Dieu te pardonne, à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu va te pardonner vraiment facilement. Mais ne tue plus les gens. Les autres fatigués de mourir. Vous pouvez aller tuer encore. Tu abandonnes ça, mais tu abandonnes, tu abandonnes, tu abandonnes. Maintenant, s'il faut abandonner tes amis qui te poussent à tuer, tu seras obligé de les abandonner. Pour ne plus commettre un autre crime. Parce que les gens que tu as tués, là, eux, ils t'attendent. Si à cause de toi, ces gens-là se sont retrouvés en enfer, quand tu vas mourir, eux aussi ils vont t'accueillir là-bas. Ils sont les premiers à t'accueillir. Quand vous voyez ce qui se passe en prison là. En prison là, quand un gars a violé un enfant et puis il se retrouve en prison, qu'est-ce qui se passe? Tous les prisonniers qui sont là-bas sont informés sur lui et ils attendent. D'amener, ils vont le gâter d'une manière là, non? Qu'il va quitter là. Il va plus violer quelqu'un encore. C'est ce qui va se passer. Donc, tout ce que tu as tué là. Et si par malheur, ils sont retrouvés en enfer. Non, attends. Si ceux que tu as tués, si ils se sont retrouvés au paradis plus tard, tu es sauvé. Mais si ils se sont retrouvés en enfer, ils t'attendent. Ils vont te montrer ça quand tu as quitté dans ça. Non, là-bas, mais on ne quitte pas dans ça puisque c'est pour l'éternité. Ils vont te tourmenter toute la nuit. Tu seras en train d'attendre. C'est à cause de toi nous sommes ici, c'est à cause de toi nous sommes ici, c'est toi qui nous as tués. Ils vont crier dans tes oreilles, c'est à cause de toi que nous sommes ici, c'est à cause de toi que nous sommes ici, c'est toi qui nous as tués. Ah, maintenant tu es dans le feu là-bas, les démons. Hey. Si ça c'est vrai, c'est que c'est grave. Hein. C'est vrai, il n'y a rien que ça, c'est ça. Est-ce que la prison n'existe pas?
La prison déjà existe ici. Quand tu vois la prison, quand tu dis, mais ah, qui a inventé ça? Pourquoi vous avez inventé ça? C'est la même, vous posez la même question là. C'est la même chose que je parle chez Dieu là-bas aussi. Là, c'est dit, mais pourquoi tu as créé l'enfer? Excuse-moi. Pourquoi Dieu a créé l'enfer? Pourquoi Dieu a créé l'enfer? Si Dieu a créé le paradis et puis tu as allé bien manger la bonne nourriture, pourquoi il ne va pas créer l'enfer pour les méchants gars qui tuent les gens? Mais il vous donne l'opportunité, pendant que vous êtes en vie, de vous repentir. Il n'est pas trop tard. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? À certains cas, que le temps n'est pas encore arrivé là, qui vous pouvez entendre ça, vous dire, ah, vraiment, ce que tu dis est vrai, mais nous devons continuer à tuer. Parce que c'est dans ça qu'on mange. Mais la mort va te surprendre un jour. Parce que celui qui tue par l'épée, il faut qu'il meure lui aussi par l'épée. La manière dont tu tues les gens, c'est comme ça qu'on va te tuer un jour, si tu ne fais pas attention. Parce que quoi, c'est la parole de Dieu ne sort pas sans s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplit et revient dans la bouche de Dieu encore. Dieu, il a tout fait. Il n'avait plus besoin de descendre sur la terre encore pour venir te parler, pour te dire, oh mon ami, arrête de chez femme des gens, arrête de chez mari des gens, arrête de prendre de la drogue, arrête de boire n'importe comment. Il a déjà tout dit. Toi, tu dois juste aller lire la Bible et écouter ce qui vient te parler matin là, comme ils ont souvent ici, écoute ce que j'ai de te dire. Si je peux aller faire du mal aux gens, faut arrêter ça maintenant. Arrête-moi ça! Si je ne peux pas aller faire des trucs bizarres, arrête-moi ça. Je dis bien, arrête-moi ça. Parce que la vie ne se résume pas à ce qu'on voit ici sur la terre. Tôt ou tard, on va partir un jour. Nous tous, on va aller saluer Dieu là-bas. On va lui dire ce que nous, on fait sur la terre ici. Est-ce que tu passes ton temps à faire économie? Tu allais raconter tout ça à Dieu. Mais comme tu as envie là, et que tu peux regarder cette vidéo, ne me pas demain ce que tu peux faire maintenant. Juste réponds-toi. Réponds-toi seulement. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. Celui qui a commis un crime et celui qui a commis un petit péché, ils vont tous aller au même endroit. Mais Dieu est grand. Et il a encore pitié de nous. C'est pourquoi il parle de repentance. Il dit, repentez-vous, madame, disons écrit seulement. Repentez-vous, repentez-vous, vous les pécheurs là. Vous les salauds. Repentez-vous, quittez-y. Repentez-vous en quel temps. Les gens sont là, en train de regarder les gens. Il dit la même, en train de dire quoi. Il dit, hey, vous là, je vous dis, c'est comme au temps de Noé. Vous avez vu le bateau, non? Les gens n'ont pas cru. Et l'eau est venue les envahir après, non? Moi, je vous dis, repentez-vous maintenant, hein? C'est pas de la blague. Et abandonnez vos péchés, arrêtez chez femme des gens. Et je lui dis, oh, Dieu, tu es un vieux. Ah, oh, mais le goût de ça, tu connais pas. Tu connais pas le goût de ça. Le goût de ça, le goût du chat. Que Dieu te pardonne. Et qu'il te délivre. Qu'est-ce qui va pas toi? Qu'est-ce qui va pas ta tête là-bas? D'où sa tête là-bas? Mon ami, le péché ne va pas t'arranger aujourd'hui, ça ne va pas t'arranger demain. Sois un bon gars. Maintenant, si tu marches avec des gens qui sont de mauvais cas, ça ne va même pas t'arranger du tout. Par exemple, ces gens vont te toxiquer. Regarde, quand tu arrives dans un endroit où il y a du fumée, est-ce que la fumée là-bas dit, ah non, comme toi tu es un choco, mais tu es bien habillé, ça va te toucher. Non, hein? C'est comme ça, les mauvais amis sont. Ils t'intoxiquent, tout ce qu'ils disent là, c'est comme de la fumée qui vient de ta tête. Au départ, tu te dis, oh, moi je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Mais la mauvaise compagnie connaît la bonne mœurs, ça va forcément t'influencer un jour. Tu imagines les gens qui passent tout leur temps à fumer de la drogue. Un jour, tu as fumé de la drogue sans même t'en rendre compte. Au moins, tu seras en train de fumer, tu as dit, hi. Ah, donc ils sont en train de fumer à toi finalement. Hein? Sérieux? Je crois, c'est. Faut apprendre à marcher avec de bons gars. Sinon, s'il n'y a pas de bons gars sur la terre, marche seul avec Jésus-Christ. Voilà, tu pries. Tu vas sentir même que plus tu te retires des gens, Dieu, ça, tu te rapproches de toi. Dieu se rapproche de toi. Plus tu te retires des gens, Dieu se rapproche de toi. Voilà. C'est quoi, c'est? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est juste la première vidéo du jour. Voilà. Ça va être chaud. Il faut que vous parlez de vraies choses. Maintenant, si vous avez des questions,
Laissez un commentaire, posez-moi les questions. Je vais sélectionner les questions et répondre aux questions directement ici en vidéo. Je suis pas dans les histoires de commentaires. Écrivez vos commentaires, moi je vais vous répondre ici en vidéo. Datez plus ça rapidement. Et puis on gagne du temps, on n'a pas le temps. Nous sommes en 2021 après tout. Ok, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Ceux qui veulent nous soutenir, dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger nos informations bancaires. Merci les frères et sœurs pour votre soutien dans toutes les dimensions. Merci. Et c'est que grâce à Dieu, nous allons réussir. Petit à petit, le feu s'en est. C'est parti.